Dobro večer, gledate Otvoreno studio, ja sam Borjan Jovanovski. Ne dešava se slučaj tragedija na svetsko to kulturno nasledstvo, osobeno nasledstvo to na zapadnata civilizacije, izgore jedan dobar del od crkvata, poznatate crkva Notre Dame vo Paris od 13. vek. Po ovoj povod v Otvoreno to studio danas kako pokaniv ambasadorot na Republika Francija vo Makedonija, gospodin od Christian Timonier. Bienvenue, monsieur Timonier. Comment allez-vous après tout ce qui s'est passé? Je suppose que ça, c'est un grand père pour tous les Français, pour tous les citoyens du monde, mais spécialement pour les Français. Dobroveče. Merci beaucoup et merci à vous et merci à tous pour ceux qui s'associent à cette émotion. C'est vrai que nous avons été tous bouleversés comme Français, mais aussi comme amoureux de Paris, et donc c'est beaucoup de monde, devant cet incendie qui a ravagé donc le cœur de Paris et aussi un peu le cœur de notre mémoire nationale. Et je voudrais vous dire que j'ai été très ému par les multiples témoignages de sympathie, et le dernier étant la décision du gouvernement de Macédoine du Nord de proposer son aide dans ce moment difficile. Et comme on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Vous, en tant que Français, que Parisien, citoyen de Paris, quelles sont vos émotions personnelles vis-à-vis de Notre-Dame? Je vous dirais, c'est d'abord des émotions d'enfant. Quand j'ai visité la première fois la cathédrale, je pense que j'avais 7 ans, j'avais l'impression d'entrer dans une forêt de pierre. Et puis la deuxième émotion, c'est quand mon grand-père m'a expliqué les grands moments de l'histoire nationale, a commencé pour lui lorsqu'en 1944, il était sur le parvis de Notre-Dame, puisque le général de Gaulle s'est rendu à Notre-Dame quand il est entré dans Paris libéré, et pour rendre grâce et se placer dans la continuité des siècles de notre histoire, l'histoire de liberté, l'histoire de Victor Hugo, l'histoire de Napoléon, l'histoire des rois de France. Et aussi, il m'a raconté comment il était sur le parvis de Notre-Dame et que depuis les toits, des collaborateurs ont commencé à tirer sur la foule. Tout le monde s'est mis à plein ventre, sauf le général de Gaulle qui est resté debout. Donc pour vous, pour moi, Notre-Dame, c'est cette histoire-là. Bien sûr, c'est une histoire spirituelle. Hein. C'est aussi tous les bâtisseurs, tout le peuple de Paris et le peuple de France qui s'était mobilisé pour construire ce qui a été pendant longtemps le plus haut bâtiment du monde et aussi un lieu de continuité de notre histoire, puisque cela remonte même avant l'ère chrétienne. Quand on a fait des travaux dans Notre-Dame, on est retombé sur un des monuments les plus anciens de l'histoire de France, qui est un pilier avec les dieux celtiques. Donc c'est pour vous dire, c'est toute la continuité de l'histoire de France qui respire dans ce bâtiment. Grand-père, est-ce qu'on a compris comment l'incendie s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cet incendie catastrophal? Alors, pour l'instant, l'enquête ne fait que commencer. C'est le laboratoire de la préfecture de police de Paris qui a commencé cette enquête avec un des plus grands spécialistes. Il y a une propre investigation cours. Voilà. Alors, ce qu'on va commencer à faire, et c'est avec les décombres qui sont encore très chauds. Hein. C'est monté jusqu'à 800 degrés la chaleur. Donc, il va falloir trier les décombres pour essayer de retrouver des preuves matérielles et donc de faire des analyses scientifiques qui seront très complexes. Pour l'instant, hein, la piste la plus considérée comme probable, c'est qu'il y avait des travaux sur le toit. C'est un toit en plomb qui n'était pas en très bon état et qui était donc restauré. Et vous savez, pour restaurer du plomb, il faut faire des soudures. Et il est possible qu'une soudure, disent certains, ait augmenté la chaleur. Et comme en dessous, nous avons une charpente de bois, une des plus anciennes d'ailleurs au monde, avec un bois extrêmement sec, il est possible que la chaleur se soit concentrée.
et qu'une sorte de concentré d'incendie se soit déclaré, lorsque heureusement tous les ouvriers et tout le monde étaient hors de la cathédrale. Je pense que ça aurait été terrible s'il y avait eu des personnes... Au moment où l'incendie s'est passé, il n'y avait pas les travailleurs qui... Non, ils avaient terminé leur journée de travail, c'était vers 7 heures. Donc la probabilité et surtout des précédents qui existent laissent penser que cela pourrait être dû à des travaux. Mais encore une fois, c'est difficile de parler sans preuve. On parle là de... probabilité. Qui réalisait ces travaux ? C'est une entreprise privée ou... Ce sont des entreprises privées qui, en général, sont plutôt spécialisées dans la restauration des monuments historiques parce que, justement, cela demande des précautions particulières. Et donc, nous avons des catégories d'entreprises. Et l'entreprise là qui s'occupait de cette restauration était parfaitement homologuée au plus haut niveau pour ce type de travaux qui sont en effet très délicats. La restauration d'un toit fait de plaques de plomb est quelque chose de très délicat. Et il fallait le restaurer parce qu'un bâtiment comme ça, c'est une histoire perpétuelle. Et il y avait des trous dans le plomb et des infiltrations d'eau qui menaçaient la voûte. Donc vous voyez, c'est un bâtiment qui vit, c'est un bâtiment complexe. Et donc la complexité de la vie, c'est aussi le risque. Et c'est le risque qu'une tragédie de ce genre peut arriver. Ceci dit, quand même, il faut nuancer parce que nous avons eu très peur. À un quart d'heure ou une demi-heure près, c'est tout le bâtiment qui pouvait s'effondrer avec les deux célèbres tours de Notre-Dame qui seraient tombées sur le bâtiment. Dans les vidéos et en particulier, il y a d'énormes cloches. Elles se seraient détachées et toute la structure du bâtiment en aurait été ébranlée. Donc on a échappé de peu et je veux dire, il faut rendre hommage aux pompiers qui ont vraiment risqué leur vie. On a eu aussi, bien sûr, un accompagnement technique avec des drones et aussi avec un robot qui est entré dans la cathédrale. Ça a été aussi une motivation. Robot en fonction des pompiers ? Oui. C'était trop dangereux. Il y avait un risque d'effondrement. D'ailleurs, il y a eu un effondrement partiel de la voûte. Et donc, il n'était pas possible. Après un certain temps, qui a été celui de l'évacuation des objets d'art, il a fallu, bien sûr, penser à la vie des personnes. Est-ce que les objets d'art sont bien sauvés ou les objets précieux qui sont partis dans le feu, quoi. Pour ce que l'on sait, les objets qui pouvaient être déplacés et qui avaient une grande valeur ont pu être déplacés. Deux reliques insignes qui sont la couronne d'épines, achetée par le roi Saint-Louis à l'empereur de Constantinople, et la tunique qu'il avait portée le jour de l'accueil de la couronne d'épines pour montrer son humilité, une tunique blanche, toute simple, qui n'a pas de valeur matérielle, mais qui a une grande valeur historique, bien entendu. Symbolique, qui sont deux grands trésors qui nous sont très chers et qui sont bien sûr dans notre histoire. Et il y a bien sûr les instruments de culte. D'autres objets sont restés, en particulier qui sont très chers aux Parisiens. Ce sont d'immenses toiles qui étaient par les plus grands peintres français du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui étaient commandées chaque année par la ville de Paris comme cadeau à la Vierge, à Notre-Dame. Et cela, bien sûr, ils font plusieurs mètres de haut. Et c'était notre grande peur, c'est qu'il a fallu beaucoup, beaucoup d'eau pour éteindre l'incendie. Et donc, les toiles n'aiment pas beaucoup l'eau. Et il semble qu'elles ne soient pas trop endommagées, qu'elles aient eu surtout une couche de suie. Et le musée du Louvre va bien sûr les restaurer. Mais bien sûr, l'inquiétude aussi, c'est un décor de pierre qui est très beau si vous avez visité Notre-Dame, qui fait le tour du chœur et qui était le dernier grand chef-d'œuvre d'architecture réalisée à l'intérieur de l'église au XIVe siècle et qui peut avoir été endommagée. On est en train de mesurer
les choses. Et bien sûr, il y a toute la partie sur le toit, partie du 19e siècle, mais très intéressante, de notre grand architecte Viollet-le-Duc. Bon, il y a des choses qui certainement ont été très endommagées. Heureusement, comme on était en travaux, on avait sorti certaines statues, donc elles sont épargnées, elles étaient déjà en restauration, les statues des apôtres et les statues des évangélistes. On les a fait sortir avant la, oui, la, c'était, voilà, pour les, c'était pour les réparer. Voilà, oui. Puisqu'on réparait, oui, le toit. Et puis, heureusement. Heureusement, voilà. C'est une des bonnes choses. Et d'autre part, on pensait que le coq, vous savez, on a un coq, oui, en haut des églises en France, coq de Saint-Pierre, et on pensait qu'il était perdu. Et là, on vient de le retrouver. Et pour nous, il est très cher parce qu'il y a, dans ce coq, ont été enfermées une épine de la couronne d'épines du Christ. Ah bon ? Et une relique de Sainte Geneviève, c'est la sainte protectrice de Paris, dont la maison était au 4e, 5e siècle. Ça s'est trouvé dans le coq. Voilà, et elle a une relique de Sainte Geneviève et elle a protégé Paris contre les Huns. Mm-hmm. Elle a arrêté, dit-on, les Huns qui assiégeaient, ouais, Paris. Et donc on l'avait mise dans le coq de la cathédrale parce que c'était l'idée de protéger, bien sûr, l'église, parce qu'il faut dire que c'est un bâtiment qui en a vu depuis le début, et les églises ont souvent eu la foudre, surtout avant l'invention du paratonnerre. Et donc on voulait aussi, à travers ça, protéger Paris. Donc on avait mis des reliques dans, mmh, ce coq, et ce coq a été retrouvé. Il est, il faut bien le dire, assez cabossé, mais il fait partie maintenant de l'histoire de Paris. Et ce que je voudrais dire, c'est, bon, pour l'instant, les premières évaluations, c'est que le bâtiment, la carcasse, comme on dit, est sauvée, que les œuvres d'art, dans leur grande majorité, ont pu être mises à l'abri, qu'il y a bien sûr des questions qui se posent parce que beaucoup d'eau dans de la pierre, c'est pas bon. La chaleur sur les joints de plomb qui sont entre les pierres, c'est pas bon, mmh, non plus. Donc c'était une vieille dame, et c'est une vieille dame qui va devenir encore plus fragile. Donc c'est, ouais, un travail énorme. Oui. Est-ce qu'il y a une question de politique qui s'ouvre après tout ça pour demander les responsabilités de l'institution, je sais pas, comme réaction de l'opinion publique en général? La première réaction est, bien sûr, vous savez, dans une famille, quand on est proche de perdre quelqu'un, on ne commence pas à se taper dessus. Mmh. Et c'est plutôt, ça a été plutôt une réaction d'unanimité nationale. Le président devait intervenir le soir même pour dire les conclusions qu'il avait tirées des manifestations des Gilets jaunes. C'était bien sûr très attendu, ouais, et il était très attendu, y compris par ses adversaires politiques, et il a décidé, compte tenu de l'émotion nationale, de reporter cette, mmh, annonce, et tous les partis politiques se sont inclinés devant cette décision et ont dit que naturellement ce n'était pas le moment, et tout le monde, là je dois dire, a communié dans un sentiment très fort. Vous savez, on est comme ça, les Français, on est très divisés sur beaucoup de choses. Peut-être Notre-Dame a eu marre de tous les controverses politiques, tous les conflits politiques à l'intérieur du pays, et peut-être elle a voulu dire arrêter. C'est une explication mystique, mais comme c'est Peggy qui était un grand amoureux de ce bâtiment, ouais, et qui disait que la politique devait se retremper de temps en temps dans la mystique. Alors je crois qu'en effet c'est une explication possible. Je crois en effet qu'il y a dans tous les pays un moment pour discuter, un moment pour s'opposer. Mmh. La politique, c'est normal, hein, et c'est un lieu de division. Mais aussi, il faut se poser la question de ce qui nous unit, de ce qui nous fait travailler ensemble. Aussi, qu'est-ce qu'est notre mémoire commune? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait avec le passé pour en faire du futur et de l'avenir. Et je veux dire, un grand moment comme ça, qui est un peu une tragédie, en tout cas c'était la menace d'une tragédie, parce qu'on est passé à côté d'un effondrement complet. Et je pense que là, les Français se sont tous posé la question, qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Qu'est-ce qui fait qu'on partage quelque chose? Ce qui n'empêche pas qu'on peut partager aussi des querelles. Mais je pense que c'est un moment d'unité nationale, on ne va pas le surjouer. Est-ce que les tensions
tensions sociales se sont calmées pour le moment, toutes les protestations des Gilets jaunes et tous les autres. Oui, je pense que personne n'a envie d'utiliser ça dire que le pays maintenant ne pensera plus qu'à la restauration de Notre-Dame. Je pense que le président de la République, je crois, là, a parlé vraiment au-dessus de la politique courante. Il est le chef de l'État. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une figure de ce genre. Il est sorti, je dirais, du champ de la lutte quotidienne pour donner un objectif donc, qui est la reconstruction d'ici 5 ans, d'une mobilisation aussi, il a dit, de tous, chacun à sa place. Et donc il y a eu un grand effort de solidarité nationale. On a presque réuni 1 milliard d'euros. C'est ça ce que je voulais vous demander. C'est quoi le plan? Vous avez dit 5 ans, c'est un plan de restaurer Notre-Dame dans une période de 5 ans. Voilà. L'objectif qui a été donné hier soir par le président est celui-là. Alors après, il va falloir évaluer, bien sûr, l'état réel du bâtiment. Ça va prendre du temps. Et donc, bien sûr, compte tenu de l'état, ça sera plus ou moins long, parce que s'il faut consolider... Plus on se donne un objectif de 5 ans. Après, naturellement, la politique, mais aussi la construction, c'est l'art du possible. Donc on va voir ce qui est possible. Après, il y a plusieurs options. Une option, c'est de reprendre les pierres telles qu'elles étaient, le bois aussi tel qu'il était, pour refaire une charte. Avec les matériaux Des options. Ça serait beaucoup plus long, y compris pour la mobilisation des matériaux et aussi des compétences, parce que Et naturellement, le Moyen-Âge avait son propre rythme. Oui. Et puis, il y a d'autres qui disent, à cette occasion, qu'il faut utiliser les techniques les plus modernes. Et Dieu sait si la France, dans les techniques de construction, est en pointe. Et donc, de continuer un peu l'œuvre des bâtisseurs du Moyen-Âge, puisque Notre-Dame a été le chantier de la naissance. Un des chantiers de la naissance du gothique, en tout cas pour la partie de la France. Donc cette idée, non pas bien sûr, on ne va pas refaire une église moderne, mais d'utiliser les techniques qui sont plus rapides aussi et les techniques d'aujourd'hui. Donc il va y avoir un débat. On peut faire confiance aux Français après cette période d'unanimité pour certainement avoir des disputes entre experts qui seront d'ailleurs très intéressantes. Et puis aussi des disputes qui auront des aspects philosophiques ou religieux intéressants, c'est de dire, est-ce qu'on restaure complètement à l'identique dans l'idée de reproduire le passé, ou bien est-ce qu'on fera une part au contemporain, à la modernité? Ça dépend. Je suppose qu'il y a un débat qui s'est ouvert dans l'opinion publique, comment le faire et comment le refaire. Vous savez, là, on est comme lorsqu'on a sauvé quelqu'un qui allait se noyer. Et en effet, il y a eu beaucoup d'eau. Donc, on le tire de l'eau, on fait les techniques respiratoires pour le sortir, et puis après, on va voir comment on l'habille et comment on lui retrouve une activité. Donc, je crois que c'est chaque chose en son temps. Il va y avoir de l'expertise sur les monuments historiques, on en a beaucoup. On pourra aussi avoir de l'expertise extérieure, parce que aussi ce bâtiment, et on l'a bien senti dans cette tragédie, ne nous appartient pas qu'à nous. Et là, ce sentiment qu'on a très fort, c'est qu'on est les dépositaires d'un patrimoine mondial. La mondialisation, ce n'est pas seulement des choses négatives, c'est aussi une conscience partagée. C'est impressionnant la mobilisation des gens riches qui sont en train de faire des donations pour donner d'argent. Il y a déjà, si j'ai bien compris, autour de... 600 millions d'euros qui sont... Un peu plus, c'est chaque jour un peu plus. Mais ce qui est le plus impressionnant, et donc les petites donations pour moi. Ouais. C'est parce que ça retrouve l'élan des constructeurs et des bâtisseurs du 12e et du 13e siècle. Vous savez, sur les chantiers, il y avait même des gens qui venaient pour 2-3 jours et qui donnaient de leur travail.
Et c'était aussi pour bâtir quelque chose ensemble. Alors bien sûr, tout le monde est très sensible aux grandes fortunes françaises qui vont donner, qui ont fait des promesses parfois de 100 ou 200 millions oui. d'euros. Mais ce qui touche le plus, c'est justement l'idée d'un effort collectif et du fait que nous nous reconnaissons tous d'abord une responsabilité comme dépositaire d'un patrimoine national, mais aussi bien sûr l'apport du reste du monde, et donc nous sommes aussi dépositaires de cela. Et d'ailleurs j'ai été aussi très touché, l'Union des mosquées de France a fait un appel pour la restauration de Notre-Dame dans le climat du monde d'aujourd'hui. Et donc de tous les côtés. Ça prouve que ce bâtiment, c'est au-delà même de la religion, c'est quelque chose qui parle au cœur de tous les Français, de toutes les confessions. Une manifestation de solidarité au niveau européen assez impressionnante. Oui. Et est-ce que l'Union européenne a quelque chose à faire dans le processus de reconstruction? Je ne sais pas pour l'instant, parce que nous en sommes, comme je vous dirais, aux soins d'urgence. Et les soins d'urgence, oui. c'est des soins de proximité. En train d'évaluer tous les... Est-ce qu'il y a une expertise qui donne les chiffres précis en ce qui concerne la reconstruction de toute l'opération qui va être compliquée, à mon avis? Voilà. Alors, les chiffres vont dépendre aussi des solutions qui vont être adoptées. Alors, on ne sait pas pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Parce que d'abord, on n'a pas évalué complètement les dommages et ensuite, on n'a pas encore évalué les solutions. Ouais. Donc, ça fait quand même une équation extrêmement complexe. Mais pour vous donner une idée, les travaux du toit, c'était déjà... Les travaux qui sont provoqués, l'incendie. C'était 150 millions d'euros. Rien que la réparation de toit. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est des sommes très importantes qui sont en jeu. Et encore une fois, sur la responsabilité, est-ce qu'on est sûr que l'entreprise qui performait les travaux a bien isolé, a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce genre de D'abord, comme je vous dis, pour l'instant, l'enquête est entre les mains des autorités. On a des idées sur la probabilité, mais tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas chercher la responsabilité. Il faut d'abord que l'on ait une idée beaucoup plus claire de l'origine du sinistre. Ensuite, il y a plusieurs entreprises qui intervenaient, plusieurs opérations qui étaient en jeu. C'est un endroit sur lequel on a toujours pris beaucoup de précautions. Par exemple, il n'y avait pas d'électricité sous la charpente, parce qu'on savait qu'elle était très sèche. Comme je vous ai dit, c'est des bois dont certains datent du 8e siècle, donc qui sont hyper secs, presque fossilisés, on pourrait dire. Et donc, on a fait vraiment beaucoup de précautions. Donc, c'est pour vous dire que les entreprises, qui aussi étaient des entreprises spécialisées, ont pris beaucoup de précautions. Mais on n'est jamais à l'abri. La vie humaine, hein, c'est comme ça. Et sur la surface de ces toits, qui doit faire à peu près 4000 ou 5000 mètres carrés, on n'est pas à l'abri d'une soudure qui se passe mal, on n'est pas à l'abri d'un échauffement plus fort que prévu. La vie, c'est pas une science exacte. Or, ce bâtiment, c'est un bâtiment qui vit depuis le 12e et le 13e siècle. Quand vous avez dit que les travaux qu'ils étaient en train de se faire, qui coûtaient 500 millions d'euros... 150. On pourrait imaginer que toute l'opération va coûter à plusieurs milliards d'euros. Franchement, pour l'instant, je crois qu'on ne sait pas. Ça dépendra donc de l'état réel final du bâtiment qui est juste commencé à être évalué. C'est un travail très compliqué, vous savez, parce que autrefois, les joints entre les blocs de calcaire, le calcaire résiste assez bien au feu, mais les joints sont des joints en plomb. Et là, le plomb fond
Très vite. Par ailleurs, il faut que l'on fasse une bonne évaluation des très gros dommages qui ont pu être faits aux rosaces. Alors, les rosaces ne semblent c'est en forme de rose, c'est des fenêtres rondes et qui symbolisent aussi la foi chrétienne dans toutes ses branches et qui ont des vitraux qui sont restés des vitraux du XIIIe siècle. Et vous savez, ce sont des morceaux de verre, donc fragiles sous le feu, comme vous pouvez imaginer, mais aussi qui sont liés par du plomb. Et la chaleur a monté jusqu'à 800 degrés. Mmh. Donc il va falloir, sur ces immenses étendues de verre du XIIIe siècle, il va falloir évaluer centimètre par centimètre comment cela a tenu. D'autre part, la pierre, là, est plus fragile parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus fin. Donc, il va falloir regarder de très près. Par ailleurs, les tours ont souffert. Donc, ça, c'est très important qu'elles restent bien stables. Les cloches aussi, qui sont d'énormes cloches, dont certaines en sont fer, là, oui, ça, voilà, ça, en bronze. C'est, oui. C'est sauvé. Voilà, elles sont sauvées, mais leurs assises c'est sur des poutres de bois qui, elles, ont beaucoup souffert. Donc, vous voyez, c'est une évaluation des dommages qui n'est pas terminé. D'autre part, l'évolution de l'eau, parce qu'il a fallu des masses d'eau absolument énormes, et l'eau, en combinaison avec la pierre, peut évoluer, bien sûr, et créer des dommages. Les dommages ne sont pas terminés. Le feu, oui, est arrêté, mais depuis hier 10 heures. On continue d'analyser, évaluer le dommage. Voilà, qui... mais les dommages, eux, peuvent encore progresser. Donc c'est une affaire très complexe, c'est presque un chantier en soi-même que l'évaluation. Donc ça va prendre vraiment du temps. Au mois de mai, vous allez avoir des élections européennes. Est-ce que, vu l'intensité de traumas collectifs qu'a provoqué cette tragédie, est-ce que ça va avoir des réflexions sur la campagne, en général électorale et les débats électoraux. La campagne électorale a été suspendue, de fait, hein, il n'y a pas eu à proclamer les choses, mais on avait tous la tête ailleurs. Mais vous savez, les chantiers des cathédrales ont eu lieu au Moyen-Âge dans des villes qui étaient souvent politiquement très agitées. Donc les Français sont très capables de faire deux choses en même temps, qui est de restaurer leur cathédrale et en même temps de mener une compétition politique assez active. Ça fait partie des deux pôles de notre esprit. Nous nous unissons dans les souvenirs historiques et dans la culture, mais nous savons aussi que la politique s'est fait de débats, mais aussi, bon, la cathédrale, et je crois que c'est le président Macron l'a bien dit, en dehors de l'aspect religieux, c'est peut-être un lieu qui montre le sens de la vie en société, de la vie collective, qui est du bâtir ensemble d'abord, du maintenir ensemble, et aussi, quand il le faut, du innover ou restaurer ensemble. Et donc, l'architecture, quand on dit que c'est l'art le plus politique, c'est pas faux. Monsieur l'ambassadeur, merci pour être avec nous ce soir. Tu avais chez l'ambassadeur Christian Timonier, la tragédie de la culture de l'ancestre, de la западная civilisation et, ако сакате, на светското културно наследство. Ви благодарам за вниманието. Останете со 1 ТВ.